Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez réaliser ce type de document, c'est-à-dire un QR code qui va vous permettre, permettre à vos clients de vous laisser un avis sur votre Google My Business. Donc, prérequis, il faut déjà avoir Google My Business installé. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que votre boutique, votre adresse soit référencé sur une carte Google. Donc, si vous avez déjà un compte Google Business, donc c'est gratuit, hein, je signale, et que vous voulez que vos clients vous laissent des avis pour augmenter votre visibilité sur Google, vous allez avoir besoin de les mettre à contribution. Et l'idéal, c'est de mettre ce type de QR code soit sur votre carte de visite, soit dans votre boutique, comme j'ai fait ici, de sorte à ce que vos clients, après avoir payé, s'ils sont satisfaits, puissent également vous mettre un avis positif en scannant ce QR code avec leur téléphone. Ils le prennent en photo et ça les emmène directement sur le formulaire où ils peuvent vous laisser un avis, donc une étoile avec un commentaire. Alors tout d'abord, vous allez aller sur Internet et puis vous allez taper en haut google.com/business. Quand vous êtes sur google.com/business, vous cliquez sur « Se connecter ». Donc évidemment, vous êtes censé déjà avoir donc un compte référencé, comme je vous disais en prérequis. Et là, vous allez arriver donc sur la fiche de votre établissement et vous allez aller dans « Voir les avis » ici. Une fois que vous êtes dans « Voir les avis », vous allez voir les différents avis qui ont été laissés sur votre page et vous avez ici « Recevez plus d'avis ». Vous cliquez dessus et vous avez ici le lien Internet qui va permettre de pouvoir accéder à la page du formulaire. C'est ce lien qu'on va transformer ensuite en QR code. Donc vous allez copier ce lien, vous cliquez ici sur le petit logo là, donc ça permet de copier. Et si on teste, vous allez voir tout de suite, si on colle ce lien sur Internet et qu'on valide par entrée, on arrive automatiquement, c'est ce que verront vos clients. Voilà, ils vont arriver ici sur... un formulaire qui va leur permettre de pouvoir laisser un avis et mettre les étoiles. Ok, donc on voit que ça marche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le garder de côté. Et maintenant, on va aller créer un QR code qui correspond à cette page. C'est-à-dire que quand on va scanner le QR code avec son téléphone en prenant une photo, ça va automatiquement proposer d'aller vers le lien de cette page. Donc pour ça, on va aller sur un site internet gratuit pour générer des QR codes qui s'appelle... qrcodegenerator.com. Donc vous allez taper QR code generator et vous validez par entrée sur Google. Le premier site là-haut qui s'appelle www.qr-code-generator.com, vous cliquez dessus. Ici, on vous demande d'entrer le lien du site internet. Donc ça tombe bien, on vient de faire copier. On va cliquer bouton droit ici et on va faire coller. Notre lien s'affiche et automatiquement, il nous génère le fameux logo QR code que l'on va utiliser. Vous n'avez plus qu'à faire « Download » en cliquant. Et donc, à ce moment-là, vous avez le QR code qui vient d'être téléchargé. Donc, si vous n'avez pas Google Chrome, vous allez dans « Téléchargement », vous allez retrouver ce QR code. Vous n'êtes pas obligé de souscrire à quoi que ce soit. Vous pouvez fermer ça en attendant le téléchargement. Et donc là, si je vais dans les téléchargements, afficher le dossier... Voilà, j'ai le QR code qui est ici, hein, si je l'ouvre. Donc maintenant, comment utiliser ça? Il vous suffit de faire une page dans Word ou avec OpenOffice et puis insérer ce logo dessus ou il suffit de l'insérer sur vos cartes de visite. Vous allez pouvoir générer quelque chose comme ceci. Et quand on va scanner dessus, on ira vous laisser des avis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera très utile. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.